tu pries plus fort. J'en fous de bordel dans ta vie, j'viens casser la scène dans ta ville. J'en fous de bordel dans ta vie, j'viens casser la scène dans ta ville. Fais du bruit. Ça y est, c'est l'heure, mes petits bichets. Je vidange pour la première fois mon nouveau jouet. La petite 450 KXF. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le seul truc que je modifierais sur cette moto, c'est l'accès ici. Au niveau du filtre air, vous voyez, c'est un petit peu... On est un petit peu à l'étroit, c'est tout. Mais sinon, mais j'adore cette mob, elle est magique. Là, on n'oublie pas le petit chiffon dans le fond. Clac. Bon, je découvre comment ça se passe sur cette petite Kawasaki. À l'aide du manuel pour les quantités d'huile et tout, FX Motors m'a fourni les consommables. De quoi se faire un kitchen. La filtration de la dog bike. Tout un tas de choses sympas. Filtre à huile. C'est bon ? Eh ben, les conditions elles sont ouf, 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 ouf. Là faut être prudent, faut être prudent, faut éviter de tomber dans quel trou quand même. Bah là tu te noies. Ah tu te noies ? Là tu... Là c'est mitigé. Bon bah nous y voilà, cette fameuse course, on est sur le site de Brigueuil. Regarde ça, derrière nous comme c'est beau. Hein ? Eh ben tu sais quoi ? Vivement demain matin. On a les essais à 8h15 et puis après on enchaîne sur 3 manches. Vivement demain, moi j'ai hâte. J'ai hâte parce que ça va être pépite. Première course en 450 KXF. Allez, petite douche gratos. Gratos. Oh ça. Bah bien. Bien, bien, bien. Demain matin, on se met derrière cette grille. Regarde dedans. J'ai hâte. Bon bah voilà, le campement est installé. On va mettre le transpondeur sur la mob. Transpondeur, c'est pour le passage, pour savoir combien on est. Ça fait toute la différence, ça, Paul, n'est-ce pas? Ah oui. Ah bah quand même. Là, tu vois, ça clignote. C'est que c'est bon signe, c'est que ça marche. Bah bon, après, si le tir ne marche pas, ça me va pour moi demain. Allez, on va aller boire un petit cognac des Charentes. Oh, petit cognac, petit cognac des Charentes. Le pays. Pop, pop, pop. C'est chaud, toi, Arthur. Ouais. Non, non, mais on a une, c'est une qualité de ouf là. Regarde-moi ça, Rodrigue. Ouais. Tu vas nous faire des ornières demain matin. Ouais, avec les flancs de la moto. Mais oui, c'est beau. On est en train de profiter du spectacle. Les joies du camping. Tu pompes comme s'il n'y avait pas de lendemain. Salut les jeunes. Il est quelle heure? Attends. 7h. 7h12. Ça va. On va se réveiller tranquillement, manger un bout, aller faire un petit caca, et puis voilà, se mettre à l'aise quoi. Bon bah c'est bien, les essais se sont bien passés, dans le gras. On est combien? On est 40 là, derrière la grille. Je fais le 16e temps chrono. On est 40 derrière la grille, mon zizi rétrécit. Faut pas que ce soit trop beau parce qu'après ça correspondra pas à Johnny.
voilà. Là, c'est pour empêcher mes vis de partir parce que j'ai perdu une vis ce matin aux essais. Puis en même temps, ça fait de la déco. Tu fais là. Voilà, une bande tout le long là. Et là, tu reviens jusqu'aux essais. Ben ouais, ça, c'est une bonne idée ça. Ça finit tes plaques. Ouais, ça finit les plaques. Regarde, t'es marrant, regarde. Le rajout de scotch. C'est propre, c'est propre. Eh, il n'y a pas quelque chose là quand même. C'est beau, hein. C'est toute beauté. Comme ça, moi, je suis sûr de pas les perdre. Je suis bien là. Là, je suis bien. Putain, je suis secoué, hein. Ça m'a... Avec quelle chaleur, là. Flap. Mais ça, je pense que, tu vois, grâce à mon kit déco aérodynamique, ça se passe bien, on passe un bon moment sur la moto, quand même. 10 ou 11, j'ai fini 10 ou 11e. Bon, ben, on va regarder. 10 ou 11e, c'est pas mal, hein. Ça va, hein. Ça va. C'est pas pour moi, hein. C'est... J'ouvre ça pour les copains, quand même. Attends. Déconne pas, eh. Thierry. Yeah. Ah, regarde, normalement, t'as assez. Tu peux faire quoi? C'est la chaîne, là? Ouais, ouais. Est-ce qu'on te met un pilote automatique? Eh ben, ce serait pas mal, ouais. On est parti pour la deuxième manche, sous la chaleur. Que calor. Eh ben voilà, va falloir être bon, quoi. Aïe, 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 aïe. J'ai un peu la pression, quand même. Bon, après. En fait, on est divisé, on est dans un open, on est divisé en plusieurs groupes. Moi, je suis dans le groupe B. Donc voilà, bon, faire, si ça roule quand même, il y a des mecs qui roulent fort devant. Mais on s'amuse, on kiffe. Il y a ce content, il y a soit assis sur la machine. I'm
Eh hey, mais t'es bien remonté. Tu veux voir les deux? Ah bah merci le staff. Hein. C'est chaud. Louis, qui veut tout niquer. Vous vous souvenez de Louis qu'on avait croisé une fois qu'il m'avait fumé au départ, hein? Il a fait la course aujourd'hui en mini-vert et donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai marqué mon premier point et je suis super content. Eh ben c'est cool. C'était vraiment très dur mais je l'ai fait. Top. Ouais, top, je suis content pour toi. Hein, que petit gars. Bah petit gars s'est transformé et puis C'est quand ta prochaine course? Bah c'est toujours mini-vert dans 74, je sais pas où c'est. Ah et ça c'est un petit peu loin ouais. Je connais pas là-bas. Bon bah bon courage, tu déchires tout. Ah oui. Alors du coup. Je me retrouve en finale A, c'est-à-dire qu'ils ont mélangé les deux groupes. À la base, on est dans l'eau. Enfin, il y avait le groupe A et le groupe B. Le groupe A, c'est les vénères. C'est ceux qui se coupent en deux et tout. Et du coup, les 20 premiers du groupe B montent en groupe A pour la super finale. Et en faisant 12 et 21, je me retrouve 16e. Je monte avec les groupes A. Autant vous dire que je vais me faire déchirer. Ah, bah j'ai fait 29! Ouais, je dirais 29. Bah, alléluia! Non, mais c'est bien! Donc, au final, j'ai fait 27. Non, mais on 27, pas 29, 27. C'est un truc de dingue. On a pris beaucoup de plaisir en tout cas, c'était cool. Tout le monde a kiffé, les visages sont fatigués. Les visages sont collants, et ouais, fatigués et collants. Et bah, merci à vous pour votre aide et tout. Allez, à votre descente. Bah, regardons que terrain est déjà prêt. CRC. Le circuit est déjà prêt à rouler une prochaine fois dessus. Enfin, c'était énorme. C'était énorme. Bon les jeunes, et ben voilà, le bonhomme est plié. En tout cas, on a passé une journée incroyable. C'était ma première course du coup avec la nouvelle moto, la 4,5. Et c'était génial. Même si on a été mélangé avec des mecs super forts pour ce qu'ils ont appelé la super finale. Et ben c'était quand même une bonne expérience. Le terrain était bien défoncé à la fin, donc c'est cool. Ça permet de. Ça permet aussi un petit peu d'évoluer dans des conditions rudes. Bon, en tout cas, c'était cool. On a vraiment passé une très très bonne journée. Ça fait plaisir. Peu importe le résultat, vous voyez, je repars. Sans avoir ça en tête, en fait, c'est, je pense, garder plus le fait de qu'on en a bien profité. En tout cas, moi, je me suis vraiment fait plaisir et puis c'est vraiment ça l'essentiel. Voilà. Alors, on va continuer cette année. On va refaire quelques petites courses encore qui sont au programme. Et puis, bah voilà, on continue. Enfin, en tout cas, je vais continuer de vous embarquer là-dedans. Là, je suis quené. C'est l'heure de rentrer au bercail. Allez, petit bichet.
À toi bien. La vie est belle, allons rouler.